Cher de Kaolack, les clients vivent un véritable calvaire de puisière. Oui, je suis un client, je devais voyager pour aller à, comment dirais-je, à Dakar. Il y a d'autres qui veulent aller jusqu'à Fatick, d'autres jusqu'à d'autres régions du Sénégal. Mais ils ne peuvent pas aller, sauf à cause de la grève qu'on a constatée au niveau de garage de Dakar. Aucun véhicule qui ne peut pas quitter ici pour aller à une autre zone. Ce qui veut dire que pour aller à Dakar, c'est tout à fait un problème. J'interpelle les commandes, les autorités et les responsables de garage de Dakar qui n'ont qu'à tout faire pour trouver une solution pour que au moins trouver pour que les clients qui doivent aller à Dakar rendre pour aller travailler parce qu'on vient de quitter la fête de la Tabaski, même pas une semaine. Alors les gens n'ont rien dans leur poste et on leur interdit de rejoindre leur lieu de travail. Vraiment, c'est une situation qu'on déplore. Et les autorités, que ce soit municipales, que ce soit étatiques, que ce soit aussi garage, ils n'ont qu'à trouver une solution pour trouver une solution à ça. Vraiment, c'est une énorme calvaire qu'on est en train de vivre. Bon, vraiment, je comprends français un peu, quoi. Depuis 5 heures. Dakar, il n'y a pas de véhicule, quoi. Bon, tellement nous sommes fatigués complètement. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Bon, nous avons envie de vraiment pour régler ce problème, quoi. Je suis là depuis 5 heures du matin. À Dakar. D'énormes difficultés. J'avais rendez-vous à 10 heures, mais je suis là bloqué. Moi, je suis pour la grève. Hein, je ne sais pas les raisons, ils peuvent faire la grève, mais au moins qu'ils informent les gens. Mais ça, c'est le minimum quand même. Mais il y a les médias et tout, mais ils n'ont qu'à dire qu'ils font la grève, c'est tout. Mais depuis 5 heures du matin, je suis là debout, mais attends, à mon âge, je vous dis, ce n'est pas sérieux tout ça. Mais les autorités doivent être là. Mais dans quel pays sommes-nous, Modou Matar? Mais c'est du n'importe quoi ça. Pour rappel, les chauffeurs de Kaolack ont paralysé le transport pour refuser l'ouverture d'un point de stationnement des bus Al-Azhar. Kaolack, Moumoudou Mah.